Salut les gens, on se retrouve pour la partie 10 de Tomb Raider. Tomb Raider plutôt, pas Raider. Et on est arrivé là la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, on va aller explorer cette zone ici près de la plage. C'est un petit moment que j'ai pas joué. Bon, les graphiques sont toujours super, j'adore l'ambiance. J'espère qu'au niveau du son ça ira. Parce que je sais que j'ai un petit souci de son avec ce jeu. Un enregistrement du moins. Ça sent le traquenard ici. Une voiture qui démarre là. On va aller là quand même. Ça se regardera directement ici. J'ai un point de compétence, tiens. D'accord, ok. Let's go. Cette sur 9 amélioration terminée. Ok. Sa voiture, c'est une horreur. Ah, j'ai plus grand chose à faire hein, en fait. Au niveau de maîtrise. Excusez, hein, je suis en train de regarder ce que je peux prendre. Allez, on va prendre. Elle est faite. Allez, on va voir l'autre qui veut prendre. J'entends plus le. Je sens quelque chose dans cet endroit. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis l'enfance. Quand mon père était fou de colère. Que je me cachais avec mon frère et qu'il me racontait la légende de Pania des récifs. Je me souviens que j'avais l'impression que l'océan m'appelait. Je voulais m'enfuir. Me réfugier dans une mer de silence. Et aujourd'hui, je regarde ces récifs et ce sentiment me revient. Je vois la chevelure d'algues de Pania se faufiler entre les épaves. Je sens ses larmes dans les embruns. Lara a raison. Cette île est maudite. Il y a de la colère. Et cette colère nous retient. Si par malheur je devais être le seul survivant, je laisserais Pania m'emmener avec elle. J'irai rejoindre mon frère dans les vagues. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder avant de... Une sorte d'ascenseur là-bas, ok. Ici, okay. Là je suis passé par là. Attends, où est-ce que je dois aller, Coco? Là. D'accord. Ok, ce truc-là. Ross, je sais que tu voudrais que je sois plus gentille avec Lara. Mais si je ne l'aménage pas, c'est pour une bonne raison. Notre si coûteux navire et tout son équipage se dirigent vers des eaux dangereuses uniquement sur la base de ses théories. Lara doit comprendre le poids de sa responsabilité. J'ai l'impression que tu oublies parfois qu'elle n'est pas ta fille. Personne n'aurait pris le risque de conduire l'Endurance dans le triangle du dragon sans une preuve tangible.
Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a convaincu? Elle est intelligente, je te l'accorde, et j'admets que cette expédition a du potentiel. Mais on ne monte pas une expédition sur une intuition. Tu sais comme moi que rien ne se passe jamais comme prévu. Lara n'a aucune expérience. Si les choses tournaient mal, elle en serait responsable. Peut-être que tout ira bien, mais tant que nous ne serons pas rentrés à bon port avec un tas de reliques à étudier, je serai sur son dos. Ok. Je dois aller vers le port. Sam, je suis là. Lara. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Ok, donc je dois rejoindre le galion là-bas. Je vais voir si je peux faire marcher cet arbre. D'accord. Moi, je vais démonter tout ça et préparer le moteur pour le palan. Tout là-bas au bout. Et moi, je peux me rendre utile? Oui, pousse-toi de là. Je crois que ces trucs fonctionnent encore. Vous voyez? Ça va se casser la tronche. Vieux de plus d'un siècle. Mais c'est qui? Putain, y a quelqu'un qui sent des flingues. J'en sais rien. La radio est morte depuis des heures. On est complètement isolé, mon frère. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tardez, faire de là un peu! Laisse pas réfléchir! Il se passe quelque chose. Cette fumée qui vient de la montagne, c'est pas net. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Là, y'a un mec qui vient là. Putain, il va. Je l'ai pas eu. Ah, si! Voilà. Je l'ai eu. Oh merde, j'ai pas vu lui. En fait, j'avais pas eu du tout. Du calme, du calme, du calme, du calme. Ok. Je vais reprendre mon arme. Ok, c'est bon. Les espaces vides au-dessus.
que j'ai fait? Quel nul! J'ai sauté deux fois. J'ai sauté deux fois. Au lieu de sauter qu'une fois. Erreur de touche. Merde, mais c'est qui eux? Hop. On dirait qu'ils ont des flingues. J'en sais rien. Réfléchis. La radio est morte depuis des heures. On est complètement isolés, moi. Hein? La dernière fois, j'ai pas eu. Allez, viens, viens, viens. Allez. Juste une fois, Coco, pas deux fois. Le voilà. Le voilà quoi? Il est pas là? Je fais quoi et je dois aller où? Il n'y a rien ici. Je pense qu'il faut aller par là-bas. Non, attends. Oh, un peu de juice! C'est pas possible. C'est pas là qu'il faut aller du coup. Un peu dur ce début de partie là, franchement. Merde, mais c'est qui eux? On dirait qu'ils ont des flingues. J'en sais rien, réfléchis. La radio est morte depuis des heures. On est complètement. J'attends que le mec arrive là. Je sais même pas ce que c'est qu'un palan en fait. C'est ça mon problème. Cordage ou un truc comme ça, mais je sais pas ce que c'est qu'un palan. Du coup, ne sachant pas ce que c'est, ben je sais pas comment le repérer en fait. Je pense que c'est peut-être ce truc-là, mais j'en sais rien en fait. Salut la mouette. Hé hé. Ah, faut grimper là-dessus. Ok, je viens de comprendre. Non, attends. Non? Faut pas grimper là-dessus? On va aller tout en haut là. Je comprends rien en fait. Ah d'accord, ok. Ok, j'ai compris un truc là. Ça. Et ça. Oh, oh. Ok.
ça doit être eux. Qu'est-ce qu'on fait? Merde, là, et mets-toi à couvert. Merde, raté. Putain. Merde. Il a bougé au mauvais moment. Ça va m'exploser dans la tronche. Ces encriers étaient utilisés par les scribes au service de la famille royale chinoise. Ok. Merde, c'est bon, aussi. Je savais pas que sur quelle touche il fallait que j'appuie. Là-bas. Là, il y a 2 mètres, là. Je pense qu'il m'a vu, non? Ouais, c'est un ami, ça, c'est pas le... Je pense. Ouais, c'est mon pote, j'allais dire aussi. Merci. Ça va? Alex devrait déjà être revenu. C'est Dr. Whitman. Shanna, à l'aide! Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. Oh, j'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement... Bon, vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutu. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Lara, attends. Tiens,
prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ses flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Arc à poulie, change d'arme. Arc à poulie, arc à poulie. Ok, ok. Alors l'arc à poulie, je peux faire peut-être des choses, ouais. Flèche en impalme. Ouh, je prends ça. Ça, je prends, c'est sûr. Alors, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Lara, l'endurance est échouée de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté du quai. Ok. Tirer une flèche grappin sur une paroi escarpée pour créer une tyrolienne. Ok. Ah non, c'est pas bon ça. Voilà. Approche de l'endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sondant. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, c'est pas la peine. J'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai peur de sauter, là. Ok. Ok. Ok, je dois aller tout là-haut. Parce que sauter au milieu, là, c'est chaud, là, non? Non, ça va. Bon là je pourrais les avoir là les... Ah ouais, tout en bas, j'ai pas envie. Un peu roussi sur les bords, toi. Qu'est devenu ton propriétaire? Il y a un nom sur l'étiquette. Millie. Ouais, ça m'avance vachement. Plus.
Ok, j'ai compris ce que je dois faire. Je dois monter sur le... Là-dessus. On est trop. On dit pas qu'il faut sauter. Putain. Normalement, je dois monter là, ici, sur le truc là-bas, pour accéder à la tour, mais je vais faire un tour sur la droite. Ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Il y a libéré tous les prisonniers et tu es tout seul à la croisée. Quoi? Sérieusement? C'est qui cette fille? J'en sais rien. Elle est arrivée sur le dernier bateau. Cette garce avait tué Vladimir. Elle a tué un des Russes. C'est pas quoi. Elle a aussi dit qu'il est libéré et des femmes. Je pense qu'ils sont où là? Je ne vois pas d'ici. Je sais pas où ils sont. Des lieux que je dois aller, mais c'est juste pour voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Ouais. Parce que là, effectivement, je dois aller là-bas. C'est une mine, ça. Peut-être pas, hein. Ça va exploser le truc. Là. De loin peut-être. C'est quoi ça? Pour voir ce que ça fait. Ok, dans le spécial. Là, il y a un mec là. À distance, moi ça me va très bien. Voilà. Allez, ouais, saloperie. Tout juice. Ça m'évite de les avoir au contact, au corps à corps. Vite. Là, ici. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, doucement les gars. Pas ici. Je vous ai dit
distance, moi ça me va super bien. On a un ici à l'intérieur, mais je n'arrive pas à le voir. Merde, je peux pas. Ok, je peux pas monter là. Là, il y a un mec. Je t'ai vu, Coco. Je t'ai vu, t'es caché juste là. Regarde. Vas-y, approche. Allez. Merde ! Ramenez-vous par ici ! T'es dead ou pas ? Sors de là, ma jolie ! Tu vas crever, hein ? Pas mort, bordel. Voilà. Alors là, à mon avis, il faut réussir son saut, sinon... Good. Allez, monte. Oh merde, merde. Wow. Sans jouer. Oh merde, je vois pas d'autres endroits où aller, donc on voit. Il y a quelqu'un qui m'attend. Qu'est-ce qu'on va dire aux exterminateurs? T'en fais pas pour ça. Il dira qu'il est devenu fou, qu'il a sauté. Tu lui as tiré dessus. Ah, c'est des détails. Tu sais quoi? Même pas son corps. Bordel de merde, j'ai besoin d'aide. Pas de bouger, pas de bouger. C'est bon. C'est chaud ça. Ok, donc moi je dois aller par là-bas. Mais ici, là, il y a un tombeau secret à aller visiter. Donc, on va y aller, histoire de... Donc, une petite zone optionnelle. Avec sûrement des énigmes. Est-ce un simple repose-tête ou bien cet objet faisait-il partie d'un ensemble de statues? Je me renseignerai si j'arrive à quitter cet endroit. Ah, une sorte de lingot, on dirait. Ok, fermé.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça me paraît loin là. Même pour sauter et s'agripper, hein. Je suis désolé, mais là. Ok, au moins j'aurais eu un truc. Donc, normalement ici on continue. Et ça me fait chier. Au pire des cas, je recommence. On tente. Yop là ! Réussi. Où je vais, mais j'y vais. Ah, eux. Oh, sympa, il y a pas mal de choses. Hein. C'est tous les enfants. Encore un nom gravé dans le bois. Coco. Je sais pas quoi ça sert, mais... Des fois, c'est mal... Allez, fouille. Il y a le truc qui apparaît qui disparaît aussitôt et du coup il faut vraiment se mettre comme il faut quoi. Allez. C'est perfectible hein, des fois je vous assure. Alors. Ah, je peux forcer ici. Ok. C'est l'exploration pure. Ça va, il n'y a pas trop de... Sauvegardez là, histoire de... Alors, est-ce que j'ai assez de sous-sous? Ah oui, là. Ah bah oui, ça on prend. Faire plus de dégâts, moi ça me va très très bien. Ah, ça faisait partie de leur laboratoire. Avait-il été envoyé ici pour enquêter sur les tempêtes ? Il y a encore du courant. Comment est-ce possible? D'accord. Bien joué, Lara. T'as foutu le courant et t'as foutu la merde. Il doit y avoir un moyen de traverser. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait très peur ça.
Ouais, enflammé, c'est que la corde va lâcher. Donc il faut que... Voilà, je monte dessus. Et c'est seulement là que j'enflamme. Voilà. Faut que je me dépêche d'aller jusque là-bas. C'est chaud cahouette là, un peu quoi. Parce que je vais crever là. On va tenter, hein. Mais je vais m'en aller, j'ai une mauvaise. Allez, vite. Voilà, je voulais tenter. Mais j'avais pas prévu que dans l'eau, mon corps allait ralentir. Ça, j'avais pas prévu. Il doit y avoir un moyen de traverser. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a ça, ça, ce truc-là, l'escalier là-bas. Le radeau, hein. Le problème c'est que je sais pas où l'attacher le câble. Je sais pas en fait. On partira là directement. Il faudrait que j'arrive. Il faut y aller en deux fois peut-être. Alors, attends. Je vais jusque là-bas et je saute là. On va essayer ça. Ça. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Ça. Et là je saute, je cours, 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 saute, saute. Mais tu sais pas sauter. T'es dans l'eau. T'es englué dans l'eau, tu sais pas sauter. C'est possible ça. Tu
comment je peux faire en fait. Quand elle est dans l'eau, c'est une quiche. Alors attends. Attends, je viens peut-être de comprendre un truc là. Mais non, arrête tes conneries. Tu vois, essayer de le ramener à soi en fait. Un peu plus tard, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Hein. Putain, il a pas bon spot. S'il avance pas, si tu... Oui, voilà. N'oublie pas que... Je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ici, on va pouvoir avancer. Réussi pourquoi aussi pourquoi ce bordel. Détruire ça. Ça sert à quoi que je suis arrivé là, enfin, je comprends pas là.
pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour ça. Calme là, mais je suis trop basse pour monter dessus. Enfin, je comprends pas le délire. Là. Je comprends pas le délire. À la limite du bateau, j'aurais pu sauter là et monter sur les escaliers. D'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voulais tester par là, mais non. On a raison, hein. On a raison sur le fait que... Je comprends pas, ça m'énerve. Je comprends pas le délire. Attends.
truc. Alors attends. S'enlève. Et à la limite, il faut que ce truc-là... Voilà, il touche pas l'eau. Comme là, il touche pas l'eau, je peux descendre dans l'eau. Elle sera plus électrifiée. J'ai compris. Donc là, j'ascends sans problème. De reliques d'un tombeau ancien. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Oh. Et ben voilà, réussi. Génial. Génial. Géant. On va regarder s'il n'y a pas autre chose à prendre. Non. D'où la corde ici. Ok. Là, je me gagne un petit point de compétence. Alors, ok, ça je peux pas encore. Ça m'intéresse moins ça. Hop. Ok, cool. Cool. Au moins c'est sauvegardé, c'est bon. Allez, on se casse. Plein d'eau, moi, en fait. C'est quoi, ça? C'est où là? Je pense que c'est là où je me suis agrippé en fait. On va essayer. Oh merde. Non, c'est là. Ok. Là, je dois aller par là. Thank you.
Elle a fait un petit saut, Lara Croft. C'est pas bon pour toi. Allez. Je suis paumé, moi. Attends. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est chiant qu'il faut tout commencer ici. Non, non, c'est pas par là. C'est ici. Voilà. OK. Bizarre ça, ce truc là. La reine solaire a vieilli. Bientôt elle choisira celle qui doit lui succéder. Je crains que ce soit moi. Je suis sa favorite, l'objet de toutes ses attentions. Elle me considère comme sa fille. Telle une poupée, elle me garde constamment auprès d'elle, me brosse les cheveux, m'habille de ses vêtements préférés. Quoi ce truc là, je sais pas quoi il sert ça. Je ne peux pas encore faire ça. D'accord. Endurance. Ils sont en train de le détruire. Ok, je dois aller tout là-bas. Et ben, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense. Hein. Parce qu'on a quand même bien avancé dans l'histoire. Il y a le camp. On va sauvegarder le camp. Voilà. La sauvegarde est effective. Et puis ben, la prochaine session, on ira traverser ici cette ravine et cette cascade pour aller de l'autre côté et pour aller dans le bunker près du bateau échoué qui est ici. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens. Salut, ciao, ciao.